si heureuse de vous revoir, Lucie. Asseyez-vous, nous allons prendre une tasse de café. Vous devez être exténuée de ce voyage. Vous connaissez ce monsieur? Le mot est trop joli, Madame Mallory. Il a raison, Lucie. C'est un homme qui ne fréquente que les tripots. Dis donc, Mink. Hé, Franck. Dites, Marshall, je voudrais bien voir notre chef d'escorte. Où est-il? Il est occupé, Buck. Il recherche Ringo Kid. Ringo? Croyez qu'on l'avait mis en prison? Il y était. Ben, s'il s'est sauvé, tant mieux. Il a bien fait. Il est certain qu'il doit chercher à rencontrer les pleuveurs. C'est leur témoignage qui l'a fait condamner. Je ne dirai qu'une chose, c'est que c'est guère prudent de se frotter à Luke Plummer. C'est lui qui a chassé tous les amis de Ringo de Lordsburg. Moi, je l'ai vu frapper un homme à coups de crosse. C'était une vraie boucherie. L'autre avait le crâne ouvert comme un bœuf à l'abattoir. Tu as vu Plummer à Lordsburg? C'est comme je vous le dis. Vous allez vous occuper du bureau pendant quelques jours. Venez à Lordsburg avec Buck. Si on me demande, je suis à la chasse. Oh, je n'arriverai jamais à savoir me taire, moi. Voilà l'argent de la paye, monsieur Gatewood. Voyez, depuis que j'ai ouvert cette banque, j'explique que l'intérêt d'une bonne maison est de déposer les fonds au moins 6 mois à l'avance. C'est beaucoup mieux. Surtout pour vous, monsieur Gatewood. Bien. Voilà votre reçu, jeune homme. 20 000 $. Et rappelez-vous ceci. Ce qui est heureux pour la banque est heureux pour le pays. Madame. Au revoir, bon débarras, allez vous faire pendre ailleurs. Je vous rendrai votre mal quand votre loyer sera payé. Tu restes dans mon cœur, car tu fais tourner la tête à tous les hommes. Les anciens Grecs auraient chanté tes charmes. Au revoir, belle Hélène. Docteur, docteur, peut-on m'obliger à partir si je m'y refuse? Défendez-moi. Allons, Dallas, ne faites pas l'enfant. Elles me font chasser, docteur. Si je pars, c'est leur faute. Allons, Dallas, voulez-vous m'écouter et surtout ne pas suspecter ces dames qui n'y sont pour rien? Ce sont elles, pourtant. Docteur, n'ai-je pas le droit à la vie comme les autres? Nous sommes victimes d'une maladie sociale, le préjugé bourgeois. Ces très chères dames ont fondé la Ligue de l'Ordre par la loi. Nous sommes jugés indésirables. Venez, faites comme moi. Glorifiez-vous de ce départ. Allez, docteur, assez d'histoire. Enfin, on vous dit adieu et bon voyage. Prenez mon bras, madame la comtesse. Et en avant, marche vers la guillotine. Oh, attendez, j'ai oublié mon insigne. Je vous rejoins. Je m'excuse, j'ai 2 mots à dire à un vieil ami. Si jamais vous venez dans l'Est, monsieur, venez dîner à la maison. Il n'y a personne dans tout le Kansas qui sache mieux faire la cuisine que ma chère femme. John. Docteur. Johnny, je suis le premier à reconnaître que, économiquement, je ne représente pas une grande valeur à vos yeux, mais ça me serait agréable de boire un verre à crédit. Ah oui, si on ne buvait qu'à crédit, certainement vous seriez le meilleur client. Je vais partir, Johnny. Non. Oui, alors j'ai pensé que, en souvenir des bonnes bouteilles, tu me laisserais pas d'accord, aller. D'accord, docteur. Mais rien qu'un. Toi, t'es chic. Voilà un homme qui va voyager avec vous. Il est de Kansas City, Missouri. Kansas City, Kansas, monsieur. À votre santé, mon révérend. Je ne suis pas prêtre. Je m'appelle Peacock. Je suis... Monsieur est représentant en whisky. En quoi? Ah, comment allez-vous, monsieur Haddock? Peacock. Je sais, monsieur. Oh, je sais. Je me rappelle. J'ai la mémoire des noms honorables comme j'ai celle des visages sympathiques. C'est bon. Voilà. Et merci. Hé, hey, Charlie! Attrape les guides! Oh, Dieu! Oh! Allons, Benny! Arrière!
On va faire le voyage de l'Hambourg-Ville. Ah, depuis le temps que tu le fais, tu dois connaître le chemin. J'ai besoin de 5 dollars, Henri. Certainement, chérie, tiens. Voilà. Tu as envie de quelque chose de nouveau, ma chérie? J'ai envie de payer le boucher. On déjeune à midi moins le quart. Bien, ma chérie, je serai prêt. J'ai invité quelques-unes de ces dames de la Ligue. Allô? En voiture pour Dry Fork, Apache Wells, Listerie et Lordsburg. Donnez-moi ça, Dallas. Merci. Au revoir, Dallas, et bon voyage. Passez-moi vos bagages, docteur. Merci beaucoup, mon ami. Tiens, mon enseigne. Fais-y bien attention. Je vais prendre ça. Oh, votre valise ne dérangera personne. Je la mettrai sur mes genoux. Et voilà, nous sommes prêts, mon ami. Madame Whitney, vous n'allez pas laisser votre ami voyager avec cette créature. Madame Gatewood a raison. D'autre part, pourrez-vous supporter le voyage? Il n'y en a que pour quelques heures, Nancy. C'est le prochain relais. Vous ne devriez pas voyager sans un docteur. Il y a un docteur. Le conducteur vient de me le dire. Docteur? Le docteur Boone? Ce n'est pas un docteur, c'est un ivrogne. Ma chère Lucie, il faut être très prudent. Vous allez me promettre de faire très attention. Les dames sont priées de s'asseoir face à la route. Au revoir, docteur. Bon voyage, Madame Mallory. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. On dirait un agneau dans la jungle. Ça fait mal de voir ça. Qu'est-ce que vous avez, Hatfield? Vous parlez tout seul? Sais-tu ce que c'est qu'un ange, toi? Sais-tu seulement qu'il en existe? Si on t'en faisait voir, hein? Tu serais bien étonné. Je vous laisse, messieurs. Au revoir, Buck, au revoir! Bon voyage, au revoir, au revoir, Galu! Hé, hey, Buck, attends une minute! La lieutenant blancheur! Oh! Le capitaine Sickles vous demande de remettre ce message à Lordsburg dès votre arrivée. La ligne télégraphique a été coupée. Entendu. On va vous accompagner jusqu'à Dry Fork. Ensuite, un détachement de cavalerie vous conduira jusqu'à Apache Wells. À Apache Wells, vous trouverez une autre escorte pour Lordsburg. Les voyageurs poursuivent leur route à leurs risques et périls, il faut leur dire. À leur risque? Que se passe-t-il donc, lieutenant? Geronimo. Geronimo, on rentre alors. Reste tranquille, toi. Naturellement, l'armée est chargée de vous protéger, mais notre devoir est aussi de vous mettre en garde. Cette diligence va à Lordsburg. Si vous pensez qu'il est dangereux de nous accompagner, nous irons sans vous, enfants de troupe. J'ai des ordres précis, et je les exécute, monsieur. Oh. Vous avez entendu ce que le lieutenant a dit? Certainement. Buck et moi, nous allons continuer. Prenez une décision. Si l'un de vous veut descendre, il est encore temps. Courage, courage, mon révérend. D'abord les dames. Quelle est votre opinion, Dallas? Qu'est-ce que vous cherchez, Curly? À effrayer quelqu'un? J'ai été expédié dans cette diligence, maintenant j'y suis, j'y reste. J'ai connu des gens plus dangereux que les Apaches. Si je peux me permettre un conseil, madame, vous devriez rester ici. Mon mari est avec ses troupes à Dry Fork. S'il est en danger, je veux être avec lui. Moi, monsieur, j'ai une femme et 8 enfants. Et alors, vous ne partirez pas. Malgré tout ce que vous pourrez me dire, vous êtes un homme, mon révérend. Allons-y. Marshall! Il reste une place pour moi. J'offre ma protection à cette jeune dame. Je ne suis pas mauvais tireur, cela peut être utile. Bien longtemps que votre réputation est faite, Hatfield. Montez, on est en retard. Pourrais-je avoir un peu de place, monsieur? Hein? Oui, 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 voilà. Fermez la porte. Oh, Curly. Allons-y, Buck. Oh, Bessie, Bonnie, Bill. Au revoir, musée des horreurs. Ah! Au revoir! Oh! 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 Oh!
encore une place. Certainement, monsieur Gatewood. Vous allez à Lordsburg? Oui, je viens de recevoir un télégramme. J'ai juste eu le temps de faire ma valise. Alors montez, monsieur Gatewood. Allez, messieurs, allez, ville. Allons, allons, rue. Allons, Paris. Il y a quelque chose que je déteste, c'est de traverser cette contrée. Je suis jamais tranquille. C'est curieux que Gatewood soit monté à la sortie de la ville. Il y a 12 ans, quand j'ai commencé à conduire, c'était pour pouvoir me marier à ma Mexicaine, Juliette. Je n'avais pas assez d'économie. Allez, Bonnie, allons, vite, vu. T'es marié, toi? Il y a longtemps. Même que ma femme a des parents dans tous les coins et que c'est moi la nourrice. Je suis bien certain de nourrir un village entier. Allez, Blackie! Ça ne t'étonne pas, toi, la présence de Gatewood? Oui, et chaque fois que je rentre à la maison, à chaque voyage à Lordsburg, elle me fait frire des haricots. Faut-il que ce soit bête, mais bête, bête, bête. Betty, Bonnie, Blackie, allons, allons, allons. Excusez-moi. On est allé droit ici. On étouffe, n'est-ce pas, madame? Votre femme avait prévu cela, Gatewood. Elle m'a fait un adieu glacial au moment du départ. Quand je vois les braves qui s'exposent pour nous protéger, ça ranime chez moi un sentiment de patriotisme. Ils sont beaux, ces soldats de notre grand pays. Personne ne sait où vont ceux qu'on voit là-bas. Mais ne seriez-vous pas averti de ce qui se passe? Que se passe-t-il? Que voulez-vous dire, mon révérend? Je n'ai jamais été prêtre. Je suis... Mon ami est représentant en whisky. Nous allons nous faire scalper, Gatewood. Mourir assassiné par les peaux rouges. C'est pourquoi on renforce l'escorte. C'est une plaisanterie. Non, hélas, non. J'aimerais mieux ça. C'est exact, ce sont les apaches de la tribu de Geronimo. Geronimo, joli nom pour un boucher. Depuis quelques semaines, il recommence ses exploits. Geronimo? Pourquoi les voyageurs n'ont-ils pas été prévenus? On les a prévenus, Gatewood. Oh oui. Quand on vous a télégraphié de Lordsburg, on vous a rien dit? Oh, sire, j'avais déjà oublié, mon ami. On va chez Juliette. Maintenant, elle a eu la fantaisie de faire venir son grand-père de Mexico pour vivre avec nous. Je serais curieux de savoir de qui il tient le message. Qui? Son grand-père? Non, Gatewood. Hu Black! Il a eu un message. Hu Black! Le télégraphe était coupé. Hu Black! On dirait Ringo. Oui. Alors, Ringo. Oh, ça irait bien si ma femme n'avait pas de grand-papa. Silence. Je ne vous ai jamais vu venir à la chasse dans ces parages, Marshal. Vous allez à Lordsburg? Moi, je t'y croyais depuis ce matin. Non. Mon cheval boite. Vous allez avoir un autre passager. Oui. Donne-moi tes Winchester. Vous aurez peut-être besoin de moi aussi, Curly. J'ai vu 4 fermes incendiées. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu es en état d'arrestation. Curly. Tout va bien, Marshal? Tout va bien, lieutenant. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Au contraire, plus on est fou, mieux on rit. Bonne nuit, Bessie! Allons! Thank you.
Oh, c'est un brave gars. Je te l'accorde. Ah, faut être malin comme vous pour avoir deviné qu'il avait l'intention d'aller à Lansbourg. Hé, vous l'avez entendu, Marshall. Les Apaches incendient les maisons. Les Apaches. Les Apaches. Ah, vous êtes le célèbre Ringo. On m'a presque toujours appelé comme ça. C'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais gosse. Mon vrai nom, c'est Henry. Il me semble avoir connu quelqu'un qu'on appelait comme vous. Est-ce que je ne vous ai pas soigné, vous étiez... Ah, tombé entre deux chevaux. Oh, le docteur Boone. Exactement. Ah, il y a longtemps. C'était en 1865, à l'heureuse époque de l'abolition de l'esclavage, tout de suite après la guerre. Vous voulez parler de la lutte pour la Confédération des États? Chacun appelle ça comme il l'entend. Je m'en souviens, c'est mon jeune frère qui s'était blessé. Vous avez été épatant. Pourtant, vous n'étiez pas à jeun. C'est gentil, ça. Ce sont des compliments qui font toujours plaisir. Oui. Où est-il maintenant? Tu pourrais me dire comment il se porte? Ils l'ont tué. Vous accommodez, madame. C'est un certain sans-gêne. Excusez-moi, madame. J'aime tellement la fumée qu'il m'arrive d'oublier qu'elle est désagréable aux autres. Un gentleman ne fume pas sans y être autorisé. Il y a à peine 8 jours, j'ai dû opérer un homme blessé par un autre que vous auriez appelé un gentleman. La balle avait pénétré par le dos. Vous voulez vous insinuer? Restez assis, monsieur. Le docteur ne pense rien de mal. Allons. Vous aurez de la poêle et de l'eau fraîche. Allons, Billy, Bessie, Bonnie. Tenez-vous tranquille. Mais je retrouve mon vieil ami, le sergent Billy Pickett. Bonjour. Comment je vais? Il est très bien, docteur, et certainement heureux de vous voir. Avec toutes ces histoires, on ne pensait pas que la diligence ferait le service. On en parlait avec Billy. Et je lui disais qu'il ferait bien de faire rentrer les bêtes et de fermer les barrières. Permettez. D'après ce que vous dites, il n'y a pas de soldats ici. Il n'y a que ce qu'on voit là, n'est-ce pas, Billy? Mon mari est arrivé, le capitaine Mallory. Savez-vous où il est? Il est venu et il a reçu avant-hier l'ordre de rejoindre les troupes à Apache Wells. Alors, il faut rentrer. Je ne veux pas rentrer. Cette diligence est partie à destination de Lansbourg. Vous devez nous y conduire. Quant à vous, jeune homme, vous devez nous protéger. Ce sont mes chefs, monsieur, qui me transmettent les ordres. J'obéis, je rentre. Oh, mais si vous rentrez, vous, lieutenant, à mon avis, on devrait rentrer en temps. J'ai reçu l'ordre de repartir immédiatement. Vous ferez ce que vous voudrez. Moi, je crois qu'on peut passer, Curly. Oh, tu perds ton temps. Maintenant, c'est moi qui refuse de conduire. Et puisque les soldats repartent, je rentre avec eux. C'est ce qu'on appelle déserter son poste. Un rapport sera transmis à votre sujet. À vos chefs d'abord et au besoin à Washington. C'est votre droit, monsieur. Mais si vous continuez à faire du scandale, je me verrai obligé de vous faire arrêter. Ne vous énervez pas, jeune homme, ne vous énervez pas. Le seul moyen, c'est de recourir au vote. Tout le monde à l'intérieur. Viens, vote. Oh, Curly, moi, je ne tiens pas à conduire. Mesdames, asseyez-vous. Je vais voir ce que je peux vous préparer.
Mon avis est qu'en continuant, on serait ce soir à Apache Wells. Les soldats pourront peut-être nous escorter jusqu'à Ferry. Et de là, il sera facile d'atteindre Lawrenceburg. Oui, c'est vrai. Nous sommes quatre qui pouvons tenir un fusil. Cinq avec toi, Ringo. Le docteur tire bien quand il est à jeun. Si je tire bien, comptez sur moi. Madame Mallory, je ne voudrais pas conduire une dame au danger sans l'en avoir averti. J'ai fait des voyages aussi périlleux. Je demande une chose, rejoindre mon mari au plus tôt. Je ne veux pas être séparée de lui plus longtemps. Votre opinion, monsieur? Soyez galant, Curly. Allons consulter l'autre dame. Qu'est-ce que vous en dites? Ça n'a aucune importance. Ça m'est égal. Je vote pour le voyage. Non seulement je le demande, mais je l'exige. C'est mon droit. Et vous, Redfield? Lawrenceburg. Quatre. Et vous, docteur? Je ne suis pas seulement philosophe, mon cher. Je suis fataliste. Un jour, peut-être, une balle bien placée ou une mauvaise bouteille auront le dernier mot de votre ami Joshua Bone. Peu importe où, quand et comment. C'est oui ou non? C'est avec cette philosophie-là que j'ai volé au-devant de tous les dangers. Il y a peu de temps encore, j'avais l'insigne honneur de servir l'Union. C'était au temps de notre grand président Abraham Lincoln et du général Phil Sheridan. En ce temps-là, j'ai vécu sans peur tout l'enfer de la guerre de sécession. Vous voulez qu'on parte ou qu'on reste? Ce que je veux. Je veux un verre de whisky. Ça fait cinq. Votre avis, monsieur Ramoc? Peacock, ce serait de continuer. Je voudrais rejoindre ma femme et toute ma famille à Kansas City, Kansas, aussi vite que possible. J'ai peur de ne pouvoir jamais revoir les miens si nous continuons. Eu égard à mille et une choses inquiétantes, monsieur. Il serait bien de se réfugier près de la famille. Non, pardon, des soldats. Avis contraire. Et toi, Buck? Moi, je... Buck a dit oui, ça fait six. Oh. Je vote pour toi, Ringo. Tu viens avec moi. Rien ne m'empêche de retourner à Lawrenceburg, Carlin. C'est mon avis. Maintenant, c'est décidé, nous continuons. Asseyez-vous, ça va être prêt. Viens, Buck, on va changer les chevaux. Alors, nous, on ne mange pas. On mangera plus tard. Oh. Voilà, j'arrive. Tout le monde à table. Venez, ça va être froid. Vous avez encore du chemin à faire. Asseyez-vous ici, madame. Merci. Je vais vous chercher une autre place, Madame Mallory. Voulez-vous près de la fenêtre? Merci. Que j'ai la peste à les voir. Ce n'est pas vous. Quand on sort de prison, on ne peut guère s'attendre à ce que les gens vous sautent au cou. Restez ici. Restez. Vous êtes souffrante, Madame Mallory? Non, ce n'est rien. Ça ira mieux tout à l'heure. Je vous intéresse? Pourquoi? Dans le monde où je vis, on rencontre si rarement une femme distinguée. Vous n'avez jamais été en Virginie? J'ai servi dans le régiment de votre père. Je crois même que je me rappelle. C'est vous, monsieur Hadfield? C'est exactement non, madame.
Pourquoi me regardez-vous ainsi? J'essaie de me rappeler. C'est très curieux, j'ai l'impression de vous connaître, madame. Non, certainement non. Je le regrette, croyez-le. Moi, je vous connais, enfin, je sais qui vous êtes. Tout le monde vous connaît à 100 lieues à la ronde. Oui. Autrefois, ma réputation était assez bonne. Il y a eu du changement. Ça arrive. Je comprends. Alors, ils vous remettent en prison? Avant, j'ai une affaire à régler. Alors, Bourg. Maintenant, c'est trop tard. Vous êtes prisonnier. Oh, voiture pour un pass Wells, Lys Ferry. C'est prêt. On a changé les chevaux. Il faut prendre la route. Et Lawrenceburg, peut-être. Allons-y quand même. Madame Piquette, dites à Henri de laisser la barrière ouverte. Merci. Soyez tranquille, ce sera fait. Allons, vite, ne perdons pas de temps. L'envie de raconter des histoires qui ne veulent rien dire. Alors parlons sérieusement. Moi, si j'étais à votre place, je les laisserais se débrouiller entre eux. Dis donc. Luc Plummer et Ringo, ça ferait un bandit de moins et on serait tranquille dans le pays si Luc Plummer recevait une balle de la Winchester de Ringo. Tu as sans doute raison à un certain point de vue, mais tu es un peu fou. Ça, je le sais. Qui prouve que ce ne serait pas Luc qui tirerait le premier? D'autre part, si Luc était tué, il y a ses deux frères qui tiendraient à le venger. Je ne vois qu'un endroit pour Ringo, c'est la prison. Et je vais l'y conduire aussitôt que possible. Ce qui m'étonne, c'est de m'être retenu de vous dire ce que je pensais, Curly. Car je croyais que vous vouliez avoir la récompense. La récompense? Le père de Ringo et moi, nous sommes amis d'enfance. On a travaillé longtemps ensemble. D'autre part, j'ai autant besoin d'argent qu'un autre. Allons, Ponette! Allons! Allez, Ponette! Bonbon, allez! Je ne tolérerai pas l'impertinence de ce jeune lieutenant. Ce gamin aura bientôt de mes nouvelles. Je me plaindrai à Washington. Pourquoi payer des impôts au gouvernement? Nous n'avons même pas la protection qui nous est due. Demande où nous conduira ce régime. Au lieu de protéger les commerçants, on met le nez dans leurs affaires. On parle maintenant d'avoir des purificateurs de banque, comme si ces bureaucrates étaient capables de diriger nos affaires. J'ai reçu une lettre des services publics m'annonçant qu'on viendrait vérifier mes livres. Ça m'a donné l'idée d'un slogan qu'on devrait diffuser dans tout le pays. L'Amérique aux Américains. Le gouvernement ne devrait avoir qu'un but unique, réduire les taxes. Notre dette nationale est un vrai scandale. Plus d'un billion de dollars par an. Ce qu'il faut à la tête du pays, c'est un homme d'affaires. Ce qu'il nous faut, c'est de la bonne fine. Quoi donc? De la fine. Vous êtes indécent. La vie est belle, Gatewood. Bon. Pourquoi prends-tu cette route? On va mourir de froid. Ah, moi, je suis malin. Vous oubliez que les Apaches ont horreur de la neige.
Madame Mallory, voulez-vous venir près de moi et appuyer votre tête sur mon épaule? Non, non, c'est inutile. Vous êtes souffrante, Madame Mallory? J'ai très soif. Cocher! Un bidon, je vous prie! Permettez, Madame Mallory. C'est bizarre, ces armoiries me sont familières. Ce gobelet vient de Griffin, n'est-ce pas? Moi, je l'ignore, Madame Mallory. Un soir, j'ai gagné ce gobelet en jouant aux cartes. Oh. L'autre dame n'a rien dit, mais elle a peut-être soif. C'est gentil. Désolé, je n'ai pas de timbales. Ça ne fait rien. Non, non. C'est pas mal, hein? Tu ravitailles les passagers, on change les chevaux et en route. Pour cet effet, nous, sans soldats? Oh, on est venu bien tranquillement, sans voir un apache, n'est-ce pas, Curly? Où est la police montée? Oui, où sont les soldats? Il n'en reste aucun. Hein? Ils sont tous partis. Où est le capitaine Mallory? Dites-moi, où puis-je le voir? Où est-il? Vous êtes madame capitaine? Oui, où est-il? Il est avec ses hommes? Si, señora. Hier soir, il y a eu une petite bataille avec les apaches. Les soldats ont conduit le capitaine à Lordsburg. Je crois qu'il a été un peu blessé. Vous dites? Blessé? Si, señora. Si, señora.
Madame Mallory, ne vous gênez pas, surtout si je puis vous être utile. N'ai besoin de rien, merci. Marshal, venez vite. Avec une malade sur les bras. On avait besoin de ça. Moi-même, je ne me sens pas très bien. Nous sommes dans de beaux draps maintenant. Dans quel siècle vivons-nous? L'armée qui a le devoir de protéger les citoyens nous laisse ici sans défense. Moi, je pense que l'armée est plutôt trop diligente, monsieur. Votre femme est ici? Si, señora, je crois. Appelez-la. Yakima, donde estás? Ringo, allez à la cuisine et rapportez-moi de l'eau très chaude, vite. Je vous en prie. Bien, j'y vais. Hé, Chris, où est la cuisine? Venez par ici. Voilà un spécimen de médecin professionnel. Du café. Donnez-moi du café. Beaucoup de café. Et très fort. Encore, beaucoup, ça beaucoup. Ça en fait déjà trois. Versez encore. Ça va me faire du bien. On va vous en préparer. Ah, allez, docteur. Si on y avait pensé, on aurait ajouté un peu. Allez, allez, allez. Vous en voulez encore un peu? Ça suffit, docteur. Est-ce que votre ivrogne est en meilleur état? Ça va beaucoup mieux. Vite, secouez-le. On va le secouer. Comment ça va? Mais... Continuez, encore. Asseyez-vous. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Fais chauffer beaucoup d'eau. Ça va mieux maintenant. Une sauvage. C'est ma femme, c'est Yakima, ma femme. Oui, mais c'est une... C'est une Apache. Si, señor, elle est un peu sauvage. Yakima, qu'est-ce que tu fais ici? Va vite à la cuisine. Allons. C'est une chose incompréhensible. Cette femme est une Apache. Oui, elle était de la tribu de Geronimo. Je crois que c'est bon d'avoir une femme Apache, hein? Comme ça, les Apaches peuvent rester tranquilles. Ça va, docteur? Ça va. Voilà, Dallas. Qué nostalgia siente mi corazón en mi soledad con este cantar. Siento alivio y consuelo en mi dolor. Ahora, muchachos,
váyanse. Las notas tristes de esta canción me traen recuerdos de aquel amor. Al pensar en él, vuelve a renacer la alegría en mi triste corazón. Mais c'est des employés de la ferme, cela. Ils sauvent avec les chevaux d'Hurlet. Ces appels de coyotes, moi, ça me porte sur les nerfs. On dirait les cris d'un petit enfant. Et ce huit de pique. Elle est jolie. Une petite fille. Oh, ça, je n'en viens pas, moi. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit à moi? Comment est Madame Mallory? Elle est mieux, soyez tranquille. Ça, alors, c'est une drôle d'histoire. Et vous, vous le saviez? Oh, ça alors, j'en reviens pas. Voulez-vous vous taire? Docteur Boone. Au commandement, un hurrah pour le docteur Boone. Laissez-vous. Pourquoi votre liste de silence? Madame Mallory. Oh. Ringo, je sais pourquoi tu veux aller à Lordsburg. Je sais tout. J'ai connu ton père, moi. Nous étions amis autrefois. Si tu savais qui est à Lordsburg, tu serais moins tranquille. Tu penses à Luc Plummer. Luc, Jean et Denis. Tu comprends maintenant? Je les y ai vus. C'est vrai, ça? Je te le jure. Je les ai vus à Lordsburg. Je t'assure. Bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Tu es fou si tu y vas. Laisse-les donc tranquilles. Trois contre un, c'est trop. N'essayez-vous pas de vous sauver. Ça vous serait facile. J'ai affaire à Lordsburg. On n'allait pas à Lordsburg. Tâchez d'attraper la frontière. J'ai perdu les miens, j'avais 10 ans.
le jour du massacre à la montagne de la superstition. Pour une fille, c'est plus triste encore. Mais c'est ainsi que la vie est faite, il faut la subir. Eh oui. Écoutez-moi, Dallas. Vous êtes seul au monde. Et moi aussi, je suis seul. Je peux me tromper, c'est arrivé à d'autres, mais... Je vous ai vu avec la petite fille. La petite fille de Mme Mallory. J'ai cru qu'on pourrait... Enfin, voilà, j'ai une ferme près de la frontière. C'est un endroit très agréable. Il y a des arbres, de l'herbe, une source, un petit bâtiment. Un homme peut y vivre en famille. Ça vous plairait? Vous ignorez tout de moi. Vous ne savez rien de ma vie. C'est tout ce que je voulais savoir. Voulez-vous? Oh, ne dites pas de folie. Qu'est-ce que tu fais là, Ringo? Des projets d'avenir? Ma femme s'est sauvée. Quand je me suis réveillé, elle était partie. Toi, tu as des manières d'entrer en coup de vent? Oh là, excuse-moi, Ringo. J'ai pensé que l'heure était venue de parer l'attaque. Tu trouveras une autre femme, va? Bien sûr que je trouverai une autre femme, mais elle a pris mon fusil et ma jument. Je ne l'aurais jamais vendue. Elle était si bonne. Je pouvais la battre comme je voulais. Elle travaillait tout autant. Ta femme? Non, ma jument. Hein? Retrouver une autre femme, ça ira. Mais c'est le cheval que je regrette. Oh, maudite Yakima. J'étais sûr que cette femme était une voleuse. Qu'est-ce que vous avez, monsieur Gatewood? Ma valise. Où est ma valise? Qui a pris ma valise? Ici, Gatewood. Je l'avais prise comme oreiller. Elle était là. Je t'ai défendu de toucher à mes affaires. Ah oui? Tu ne crains pas que ton indienne soit allée prévenir les Apaches de notre présence ici? Les gens de sa tribu ne m'en iront pas, je pense. Eh bien, moi, il m'ennuie. Grace. Est-ce que ce bar est ouvert? Il l'est jour et nuit, seigneur docteur. Bon. Et voilà, docteur. On ne va tout de même pas passer sa vie ici. J'espère qu'on va partir. Nous avons une malade, Gatewood. Vous voulez la garder ici pour qu'elle se fasse égorger avec nous? Vous n'êtes donc pas capable d'avoir d'autres vengeances? Oh, je vais faire de vos opinions. Du calme, allons, du calme. On n'a pas encore été égorgé. Mais vous avez raison. Plus tôt on sera à Lorchbourg, mieux ça vaudra. C'est peut-être une bonne idée, Curly, mais il faut que le docteur voie la malade. Oui, la jeune coyote. Vous ne trinquez pas, docteur. Non, merci. Bonjour. Alors, on se sent un peu mieux? Déjà levé, Dallas? Elle ne s'est pas couchée. Je crois qu'elle m'a veillée toute la nuit. Or, je n'étais pas fatiguée. De toute façon, j'aurais fait l'impossible pour rester éveillée. Et bercer l'enfant. Oui, on va vous conduire à Lorchbourg, jeune coyote. C'est comme ça qu'ils t'ont baptisé hier en entendant tes premiers cris. Petite coyote, comment allez-vous? Bien, merci. Un peu fatiguée. Croyez-vous que mon mari... Pour votre mari, madame, le meilleur remède sera de vous voir en bonne santé. Vous devez seulement penser à votre retour. J'essaie de faire de mon mieux. Alors, ça ira. J'ai hâte de partir. Soyez patiente, allons, et tout s'arrangera. Dallas, si vous lui faisiez un peu de bouillon... C'est déjà fait. Bon, et si vous faisiez un peu de café noir pour les hommes? Il faut vous reposer, madame Mallory. Mais soyons pas si fiers. J'ai peut-être aidé plusieurs centaines d'enfants à venir au monde. Le même miracle s'est accompli et ce sera éternel. Chaque moment aura toujours le plus joli. Docteur.
Ringo m'a demandé si je voulais l'épouser. Est-ce que vous croyez que j'en ai le droit? Une femme comme moi peut-elle encore avoir une chance, docteur? Je vais vous peiner, Dallas. Plus que vous ne l'avez jamais été. Vous savez qu'on va le reconduire en prison. En plus de ça, s'il vous accompagne à Lordsburg, il risque d'apprendre pas mal de choses sur votre compte. Je ferai en sorte qu'il n'y aille pas. Tout ce que je vous demande, c'est de me conseiller. Si vous croyez que je sais où est le bien ou le mal, eh bien, essayez, si vous pouvez. Et bonne chance. Merci, docteur. Ringo. Alors, docteur. Elles vont bien toutes les deux. C'est une vraie femme de soldat. Oui, alors rien n'empêche de partir. Eh bien, Gatewood, c'est le docteur qui parle. Elle ne peut pas voyager maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Restez encore ici, pourquoi? Vous ne donnez pas l'impression d'être bien éveillé, mon cher Gatewood. Nous ne quitterons pas la mère ni l'enfant avant qu'elles soient toutes deux hors de danger. Si vous parlez de danger, ne sommes-nous pas en danger ici? Écoutez, monsieur Gatewood, moi j'ai eu 8 enfants. Je dis moi, c'est de ma chère femme qu'il s'agit. Et bien que je déteste discuter, il me semble absolument naturel de dire que je suis de l'avis du docteur. Voilà qui est parlé, mon révérend. Estime que nous devons partir avant que les Apaches ne viennent. C'est ça qu'il faudrait faire. Je regrette que vous ayez 10 ans de trop, Gatewood. Comme un cheveu blanc ne vous empêche pas de donner libre cours à vos voisins. Bien entendu. Ah, Curly, je n'ai pas dit un mot. En parlant tous à la fois, on ne fera rien de bien. Essayons de discuter tranquillement. Viens, Buck, assieds-toi. Il y a une jeune femme à la cuisine qui demande un coup de main. Allons la voir. Merci, docteur. Je suis là, petit. Quel âge avais-tu quand tu allais en prison? Oh, j'avais environ 17 ans. Bonjour, Dallas. Bonjour. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je me suis demandé ce que vous alliez répondre quand Curly est venu hier. Vous n'avez pas dû vous coucher tôt. Je vous entendais marcher. Vous avez songé à ce que je vous ai demandé hier? Écoutez, pourquoi ne pas essayer de leur échapper? Dans la cour, il y a un cheval. Curly ne vous poursuivra pas. Il lui est absolument impossible de nous abandonner maintenant. Je dois aller à Lordsburg. Allez dans mon ranch, vous installez. Je viendrai vous rejoindre. Vous n'en reviendrez pas. Ils étaient 3 contre vous quand les Plumeurs ont juré que vous aviez tué leur chef. On les a écoutés. Et vous les retrouverez tous les 3 à Lordsburg. Il est des obligations qu'un homme n'a pas le droit d'éviter. Comment osez-vous parler de notre avenir puisque vous voulez sacrifier votre vie? Et la mienne, Ringo. C'est pourtant ce qui va arriver si vous allez là-bas. Que faut-il faire, là? Croyez-vous que nous serions plus heureux si Luke Plumeur mourait? Ses frères voudraient le venger. Vous ne seriez jamais tranquille. Ce serait épouvantable. C'est un supplice que je n'endurerai pas. Cependant, je ne vois guère d'autre solution. Il y en a une. C'est de partir. Fuyez, Lordsburg. Fuyez les Plumeurs. Partez pour la frontière et je vous rejoindrai. C'est vrai, ça? C'est entendu. Venez avec moi, Dallas. Il y a Madame Mallory et la petite fille. Je les accompagnerai à Lordsburg et je vous rejoindrai. Il faudrait au moins un fusil. J'y ai pensé, venez. Il y en a un ici. Je l'ai caché hier pendant que tout le monde dormait. Comment avez-vous pensé à ça hier? Ne me posez pas de questions maintenant. Dites donc, Curly, il n'y a pas d'apache derrière nous. On pourrait retourner à Tonto. J'insiste pour que nous allions à Lordsburg. Qu'est-ce que t'en dis, Chris? Geronimo doit être entré ici à Lordsburg. Ma jument aussi doit y être. Ma douce, et t'as tout, jamais parti. Vous croyez, docteur, que c'est un sujet de plaisanterie, ça? Mon cher Buck, je n'ai peut-être plus, comme toi d'ailleurs, à vivre bien longtemps. J'en profite.
Docteur, je n'ai jamais envié qui que ce soit. Mais écoutez, j'en ai plein d'autres vos histoires. Vous parlez sans me demander avis. Et je suis le seul à pouvoir donner un conseil. Curly, je... Il faudrait se dépêcher et passer le pont avant ce soir. Le seul ennui, c'est qu'on ne sait vraiment pas quoi faire pour la maman et le bébé. Le docteur Boone a déjà répondu à cela, Curly. Et je demande le respect dû à sa compétence médicale. Hatfield. Ringo. 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 Vite, Ringo. 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 Ringo, ne vous arrêtez pas. Allez, allez vite. Ringo. C'est inutile, Curly. Je ne me sauverai pas. C'est bien, mon avis. Regardez la colline. Les Apaches. Signal de guerre. Attention, bébé. Merci. Vous devriez enlever les menottes du petit, il sait tenir un fusil. Fiche-moi la paix, de lui que je vaux, c'est plus utile. Oh, vous ne pouvez donc pas aller plus vite? Quelle espèce d'idiot, pourvu qu'on arrive à traverser. Un homme travaille toute sa vie, l'économise dans l'espoir d'une vieillesse honorable, et un jour il est pris au piège. Comment au piège? Vous parlez des Apaches? Il y en a pas, on les aurait vus. Ils savent se cacher, on ne les voit pas, mais brusquement ils attaquent. Si vous n'étiez pas aussi têtu, nous serions en sécurité maintenant. On entend que vous, Gatewood. Vos menaces ne me touchent pas, Hatfield. Vous n'êtes pas un honnête homme, vous vivez du jeu. Si vous voulez descendre avec moi... Rien à faire, j'ai payé ma place, Hatfield. Oh, allons, messieurs. Restez tranquille, Gatewood. On va peut-être tous se battre avant peu, gardez vos forces. Vous ne devez pas valoir cher pour un combat loyal, gibier de potence. Ne provoquez pas Ringo, il a les menottes. Messieurs, je vous en prie. Il y a des dames, vous l'oubliez. Madame, il est doux d'avoir un cœur charitable et compatissant. Nous arrivons à l'hystérie, messieurs dames. Et l'envoûte, monsieur les dames. Allez, Johnny, regardez le pont, ils l'ont démoli aussi. Hatfield, montez la garde en arrière, où est l'armée? Où sont les soldats? Ont-ils l'intention de laisser Geronimo brûler et piller toute la contrée? Promets-moi que tu ne chercheras pas à t'échapper. Je vous donne ma parole jusqu'à l'Orsbourg. Alors, retourne avec les femmes. J'ai donné ma parole. Vous avez du tort. Dallas. Buck, avance jusqu'au bord de la rivière. Allons, venez, entends. En avant. Allez. Découvrez, elles sont là-haut.
regrette pour ta selle, mon vieux. Tu es prêt, Ringo? Allons-y. Ça va, Buck? Oui, je suis prêt. Allons-y. Alors, on y va, Buck. En avant. Est-ce que je dois dire à Madame Mallory que les enfants péquèrent de place? Une place! Vite à Lonsbourg. Je regrette les mots violents, Hatfield. Veuillez m'excuser, docteur, je n'ai pas de rancune. Mais quoi qu'on dise, ça n'a pas été désagréable et même c'était intéressant, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Oui, maintenant que le danger est passé, monsieur... Peacock. Mesdames, messieurs, Dieu seul sait ce que la vie réserve à chacun de vous et puisque nous avons maintenant le bonheur d'être réunis... Le frein de tête. Au château de Greenfield. Dire au baron que son fils... Ah,
si vous n'avez rien, Lucie. Oui, Richard, comment va-t-il? Il va bien, soyez sans inquiétude. Ce n'est pas très grave. Je vais vous conduire près de lui. Mais le bébé... Je viens chercher bébé. Dallas. Si je puis vous être utile à quelque chose. Je sais. Tenue. De paix rosace, Duc. Ringo est en vie. Oui, il conduit la diligence. Mes frères. Oui, patron. Une moment, s'il vous plaît. Encaisse. Au revoir, mademoiselle Dallas. Si un jour vous passez par Kansas City, Kansas, il faudra venir nous voir. Merci, monsieur. Le Peacock. Ringo. Curly, qu'est-ce que je risque d'attraper en me sauvant? Ou peut-être une autre année? Vous savez où est mon ranch, hein? Oui? Voulez-vous jeter un coup d'œil sur elle quand elle ira? Dallas? Oui. Je ne tiendrai pas à ce qu'elle reste ici. Vous vous en occuperez? Convenu. Hé, hey, Marshall! Prenez mes hommes si vous voulez. C'est inutile, merci. Si vous ne voulez pas perdre l'honneur, shérif, emmenez-le vous-même.
Quel est votre nom, monsieur? Je m'appelle Gatewood, Henry Gatewood. Ah, Gatewood, vous êtes celui qui ignore qu'une ligne télégraphique peut être réparée. Oui, oui, oui. Emmenez-le. Allez, emmenez-le. Mais c'est une injustice, enfin, Est-ce que je vous retrouverai ici dans 10 minutes? J'ai donné ma parole, Curly. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. T'as des munitions? Je vous ai menti, Curly. J'en ai gardé 3. Allons-y. Bonsoir, Ringo. C'est ici que vous habitez? Non. Oui, je vais vous accompagner. Non, croyez-moi, c'est inutile. Tout ça n'était qu'un rêve. Ce rêve, vous devez m'aider à l'oublier. Disons-nous au revoir ici, Ringo. Dallas, je ne vous quitterai jamais. Vous êtes servi? La Winchester. Dépêche-toi.
croyais que je vous avais dit de ne pas me suivre. Dallas. Dallas, je vous ai demandé en mariage. Je n'oublie pas, je n'oublierai jamais, Ringo. Attendez-moi ici. Ringo a dit qu'il va passer à l'auberge dans 7 ou 8 minutes. Allons. Je prends la carabine, Luc. Je te la décharge dans le ventre si tu mets le nez dans mes affaires. Tu seras poursuivi pour meurtre si tu sors de l'auberge avec la Winchester. T'auras ton tour plus tard. Ne me laisse pas voir davantage. Il l'a manqué de peu. Ce sera pour une autre fois. Merci, Corinne. Curly aura soin de vous jusqu'à ce que vous ayez passé la frontière.
Au revoir. Au revoir, Dallas. Au revoir. Vous auriez peut-être aimé partir avec Ringo. Oh oui. Fait de la civilisation. Oui. Docteur, si je vous payais un verre... Rien que...